Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons visiter une petite île. Alors c'est une île que j'ai trouvée sur un serveur Discord d'une personne qui s'appelle Lisa. Donc si la personne passe par ici, n'hésite pas à faire un coucou. Voilà, le hasard peut bien faire les choses. Et donc je vais montrer la map tout de suite. Donc, alors, je sais pas exactement c'est quoi la prononciation du nom de la ville. Donc c'est une île sans mairie. Sans mairie, qu'est-ce que je raconte? Pas une île sans mairie, pardon. Et donc c'est Siargao. Je sais pas si on dit Siargao, Siargao, ou je sais pas trop, donc désolée. Et si j'ai bien compris, c'est une île qui est inspirée d'un de ses voyages aux Philippines. Si je me rappelle bien, donc voilà, on est plutôt, je pense, sur un petit thème un petit peu tropical. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Ah oui, vous avez vu le code onirique au début. N'hésitez pas à le prendre de toute façon. Il est dans la description. Et donc, c'est parti. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de visites oniriques. Tout simplement parce que j'avais plus le Nintendo Online. Mon abonnement s'est terminé le 31 décembre, il me semble. je suis peut-être passée à un mauvais endroit. Donc mon abonnement s'est terminé le 31 décembre ou le 25, je sais plus. Bref, il s'est terminé il y a un petit moment. Et j'oublie que j'ai pas. Voilà. Et donc, je pense que je passe pas aux bons endroits, à mon avis. Hein. Et donc, bah, je pouvais plus faire grand chose au niveau visite d'île. Donc, j'avais stoppé un petit peu le tout. Et au final, what? J'ai jamais vu cette île qui est violée, c'est quoi? Je savais pas que ça existait. Bon, on ne saura peut-être pas, mais je savais pas que ça existait. Enfin bref. Et donc du coup, j'ai pu bénéficier encore de l'essai gratuit. C'est la troisième fois, je crois, que je bénéficie de l'essai gratuit du Nintendo Online. Tout simplement parce que je ne vais pas racheter pour le moment le online. J'attends encore un peu avant de le racheter. Et peut-être que maintenant, au lieu d'investir 20 euros à l'année, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'abonnement à 3 euros ponctuellement. Puisque je n'utilise pas tant que ça, en fait, le online. À part éventuellement pour aller sur d'autres îles, mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc j'hésite. Peut-être, enfin je sais pas. Je verrai. Même si c'est pas cher, 20 euros pour un an. Voilà, j'ai quand même pas trop envie de claquer tout ça dedans alors que je l'utilise pas autant, je pense, que certaines personnes. Enfin bref. Je préférais le temps où il était gratuit. Je veux dire, sur la DS, on n'avait pas besoin de payer. On pouvait se connecter tranquille. Alors, sur un petit coin. Pêche, poisson, etc. J'aime trop ce genre de coin. Je pense que pour mon île de Risette, je vais essayer de faire ça peut-être. Oh, c'est parfait l'insecte sur le l'arbre. Ah non, on l'a fait fuir, mince, dommage. Trop chou cette maison. Alors en fait, je ne sais pas trop où passer parce que je n'ai pas regardé l'île avant, donc on découvre un petit peu en même temps. Donc là d'abord, je fais les plages, mais bon. Ouais, elle doit peut-être pas être totalement finie. Ou alors non, c'est peut-être fait exprès, je pense. Mais il faut couper, je pense, l'accès aux plages. Alors, du coup, attendez, il faut quand même que je trouve... Après, oh, peut-être qu'il y avait des échelles et tout et que j'ai pas pris. C'est possible. En tout cas, on va essayer de s'en sortir tout seul. Bon, je pense qu'il faut pas passer. Alors, on était là tout à l'heure, on va continuer. Donc là, un petit marché. Alors là, du coup, je suppose que c'est une grande route, vu le truc. Oh! Attendez, ça fait trop continuation de la route, j'aime beaucoup. Puis la vue est sublime, j'adore. Je pense que ça sera la miniature. Alors c'est dommage, le pont, je le trouve pas très beau, mais en même temps, je pense que c'était le seul qu'elle pouvait mettre ici. Ah, ça se stoppe comme ça? Je suis un petit peu déçue que ça se stoppe ainsi. Et on peut pas descendre? Ah. Peut-être que j'ai raté les items pour me déplacer. Hein. C'est pas improbable. C'est pas improbable.
fait alors? Bah attendez, c'est que je suis bloquée là. what? On était passé par où tout à l'heure? Par ici, on est d'accord. Mais oui, mais ça veut pas passer. Ok. On va changer de côté peut-être. On est arrivé par là. Voilà. On va prendre ici. Hop là. Alors, je suis pas une personne qui a beaucoup voyagé en dehors de la France, du moins dans le passé et même pour le futur, c'est pas prévu pour le moment. Donc, j'y connais pas grand-chose. Je vais pas vous mentir que les Philippines, ce genre de coin, c'est pas trop des endroits où je m'y connais. Donc, je découvre un petit peu. J'ai pas trop les références, mais c'est super joli. En tout cas, j'aime trop le fait qu'elle ait gardé les bâtiments rudimentaires et qu'à quelques endroits aussi. Oh, il est trop mignon! Pardon, et à quelques endroits qu'il y ait un petit peu de. Comment dire? Vous savez, les fameuses orques qui sont pas tout bien développées. Vous voyez, j'aime trop. Enfin, je trouve ça trop beau. Enfin, bref. Alors, j'aime trop par contre le fait qu'elle ait mis des trucs comme ça, c'est trop beau. Oh, il y a Agnès. Coucou Agnès, ça faisait longtemps. Enfin, quand je me rappelle que j'avais Agnès dans ma ville, what the fuck. Oh, petite Agnès, elle est trop chou en vrai, je sais pas pourquoi je l'aime pas trop. Ah, il y a deux de ces personnages, on va leur parler. Mais fuis pas. Ok, tout simple. Et toi, tu dis quoi? Ok, rien à faire. Donc là, elle a fait tout un petit quartier résidentiel. En fait, j'ai l'impression que c'est des sortes de petits mobil-homes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ou alors, soit c'est vraiment la maison des locaux, soit c'est la maison des voyageurs qui viennent sur l'île. Pour moi, ça me semble le plus probable. Ok. Les plages, en tout cas, elles sont bien animées. J'aime trop. Et le motif haut là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il est trop beau. Sur la plage, celui qui était sur la plage. Petit café et tout, voilà. Tout tranquille, on a même la boutique pour les trucs de surf et tout, c'est trop bien. Et la plongée bien sûr. Par contre, je suis désolée, mais la tente comme ça, elle est beaucoup trop belle. C'est dommage qu'on puisse pas, comment dire, la garder parce que j'aime trop. Je trouve ça trop joli comme item, enfin comme item, comme build de base. J'aime trop. Alors là, on a toujours un petit, oh le brassero, je crois que c'est ça, que ça s'appelle comme ça. J'aime trop. Ah non, je l'éteins, je voulais pas l'éteindre. Et cet item aussi, je crois que je l'ai commandé en plusieurs fois tellement il est beau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je l'aime beaucoup trop. Donc j'ai bien fait de le commander. Au moins une fois, histoire de l'avoir. Oh, trop mignon. Je peux prendre le petit thé. en vrai, les Philippines, je sais pas, je me suis jamais trop renseignée sur cet endroit. Peut-être que c'est un endroit super. Peut-être que je dis Philippines depuis le début, au final, c'est pas ça. oh, mais c'est trop beau. Attendez, juste le. Le, comment ça s'appelle, la vue derrière est incroyable. J'aime trop. C'est juste dommage que cet item de bambou, il ait le socle en caillou en bas. Alors, en vrai, si, il est magnifique le socle caillou, il n'y a pas de problème. Mais pour une île de ce type, ça gâche tout en fait. Alors, ah, on peut pas voir qui y a dans les campings. Ah non, mais c'est trop triste. Bah, c'est bon à savoir, en tout cas, je ne savais pas. Mais bon, voilà. Oh, la mare à côté. OMG, attendez, attendez. Ça a l'air d'être trop beau. Je veux voir. Alors, en tout cas, cet endroit, c'est un de mes préférés. Hein. Ok, c'est une zone de camping. Ok. J'aime trop. Et alors là, genre tout le haut de la map, c'est ça? Non, attendez, c'est trop ouf si c'est vraiment ça. Oh non, on peut pas passer. Oh non. Alors, attendez, parce que là, je suis bloquée. Il y a moyen que je me débloque pas, en fait. Parce que des fois, le temps que le jeu veuille bien capter le fait que je suis coincée. Voilà. Il a fallu un petit moment. Oh. Oh. Elle a réussi à faire l'impensable. Incroyable, les trucs des cailloux. Oh, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. C'est abusivement beau. Un petit papillon qui traîne. Oh, trop chou. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop ça. Oh. Alors là, honnêtement, ça me rappelle trop les bars en Guadeloupe qui est exactement dans cette essence-là, dans cette vibe. Bon, peut-être pas avec le petit cliché de la noix de coco voilà, qui traîne. Mais genre, littéralement, c'est la même vibe. Hein. C'est trop bien. Alors là, par contre, j'aime trop cette petite forêt qu'elle a fait. C'est dommage qu'on puisse pas y pénétrer un peu plus. Ah si, attendez, il y a un petit chemin. Trop bien. Par contre, faut pas se coincer. Hein. C'est qui comme perso? Ah, c'est Joseph. Coucou Joseph.
En vrai, il est mignon. Il a une tête rigolote. Enfin, moi, il me fait rire. Ouais, par contre, pour passer, c'est chaud. Après, les termitières, je sais pas comment elle les a trouvées parce qu'il me semble que c'est dur à trouver un petit peu les termitières. Mais on peut passer quand même, hein. Elle a fait en sorte qu'on puisse bouger, c'est bien. Oh non. Non, non, je suis bloquée si je passe par ici. Non. Non. Oh. Oh. Ok. On pouvait passer. Ah bah là on peut plus passer je crois. Mais comment je fais moi? Alors là on peut passer ici. Non. Ok, on est coincé. Ça m'apprendrait à vouloir aller trop loin. Attendez. Hop là. Où est-ce que j'étais passée tout à l'heure? Là? Non. Ici alors? Ok, on a réussi à s'en sortir. Oui, trop bien. Je crois pas qu'on puisse visiter autre chose pour l'instant. De ce côté, pardon. Par contre, ici, ouais, on peut passer et ça, c'est ouf. Non, ça, par contre, c'est incroyable, j'aime trop. C'est une idée à reprendre. Franchement, c'est une idée à reprendre, j'aime beaucoup. C'est super agréable pour les yeux à regarder, j'aime bien. Après, c'est dommage que. Alors, même si j'adore le motif haut, c'est dommage qu'il soit pas un poil un peu plus réaliste. Mais, genre, il est super bien. J'aime trop les petits îlots comme ça qu'elle a fait avec les petits bambous et tout, ça passe trop bien. Par contre, qu'est-ce que ça donne d'utiliser des motifs? Oh là là. Mais j'aime trop. Elle a même mis des petites robes perroquets, c'est trop chou. Ouais, on peut passer, on peut passer. Oui, on peut passer, dis-moi qu'on peut passer. Bon, le petit jardin de pastèque, bien sûr, c'est évident. Franchement, c'est un truc à reprendre aussi sur son île, le jardin de pastèque, j'aime trop. Ok. On va peut-être passer par là, non? Attendez, en fait, j'essaie de voir si on n'est pas déjà. Non, on n'est pas déjà passé par là, ok. Oh! C'est quoi ici? C'est une rizière? Pour moi, c'est une rizière. Je pense que c'est une rizière. J'aime trop. C'est beaucoup trop beau. Oh là, la taupe, j'en peux plus. Ils ont mis les. C'est trop bien. J'avoue que l'item, il m'a fait rire. Je serais tentée de dire que c'est une rizière, mais j'ai pas envie de dire des bêtises, alors voilà. Alors, par contre, franchement, ce que je trouve fou dans cette ville, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé en tout cas, mais il y a des villes où t'as l'impression qu'elles sont infinies. Ou genre, il y a des coins partout, ou peu importe ce que tu fais, tu découvres quelque chose de nouveau et tout. Bref, t'as l'impression que c'est un véritable labyrinthe et que des choses se rajoutent au fur et à mesure, tu vois, qu'elle a pas de fin en fait. Et là, cette île, en fait, j'ai l'impression que justement, elle a réussi à tout caser dans un plus petit espace que ce que le jeu nous offre. Et en fait, cette sensation, elle s'offre notamment avec le lac juste derrière. Vous voyez qu'il prend quand même une très, 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 très grosse place, on est d'accord. Genre, ça prend énormément de place. Et pourtant, elle a réussi, sur toute son île, à tout placer. Je sais pas combien elle a d'habitants, attendez. Elle doit y avoir les 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc ça fait 12. Elle a réussi à placer 12 maisons. Dans un tout petit espace comme ça. Enfin, je veux dire, dans un espace plus réduit que la grande map que nous offre le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça ouf parce que j'ai toujours du mal, moi, à placer mes habitants parce que j'ai toujours envie de faire plus que ce que je peux faire comme place, vous voyez. Il y a des fois, c'est vrai que le hack pour moi serait incroyable. Alors non, on va pas repasser par là. Je suis sûre qu'il y a forcément un endroit qu'on n'a pas fait, que j'ai loupé, qu'il faut que je retrouve, ou je sais pas. Bref. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être un endroit que j'ai raté. On va dire qu'on va passer par là. Là, par exemple, ici, on n'est pas passé. Et pourtant, c'est magnifique. Si, si, on est passé, pardon. Mais voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, j'ai l'impression que vraiment, elle a réussi à tout optimiser d'une manière assez incroyable. De sorte à vraiment que ce soit super, quoi. Enfin, incroyable.
Puis en plus, je suis désolée, les insectes sont nickel sur les arbres, ils passent trop bien, oh mon dieu. Mais je pense pour moi qu'on a tout fait. Il y a la petite plage là-bas qui est toute mignonne, mais ça va. Les maisons, comme d'habitude, je vous laisse aller les faire vous-même. Puisqu'en général, alors soit je ne sais pas si elles sont faites, là en l'occurrence, je ne suis pas allée les voir. Mais si elles sont faites, hein, n'hésitez pas à aller checker un petit peu vite fait. Ça fait toujours plaisir, je pense, que vous allez visiter vous-même les îles, puisque bon, c'est quand même plus sympa d'y aller soi-même. Et pour moi, je pense qu'on a tout fait. Il y a peut-être bien sûr des endroits que j'oublie. Regardez la maison, elle est sublime en plus. Alors vous pouvez pas ne pas aller la voir. Elle a l'air super bien agencée et tout. À l'intérieur, je le sens. Donc voilà, pour moi, on a tout fait. J'espère que j'oublie rien. De toute façon, n'hésitez surtout pas, comme j'ai dit, à aller tout voir vous-même. Et peut-être que vous trouverez d'autres coins que moi, j'ai pas fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo Visite d'île vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que le code onirique est en description. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!